sur place ou à emporter. Avec ou sans sauce, tout est possible. La seule constante, des doses généreuses. Même trop pour certains. Okay. Diminuez un peu. Parce que moi, j'ai déjeuné le matin. Ok, ça marche. Voilà. C'est bon ? On ne vient pas ici tout à fait par hasard. Le restaurant est excentré, n'affiche pas haut ses couleurs. Le bouche à oreille suffit. Viande de bœuf. D'accord, viande de bœuf. On habite juste à côté et puis c'est un collègue qui m'a conseillé de venir ici. Et puis après, donc on rentre chez nous. En cuisine, les petits plats sénégalais, maliens, guinéens mijotent pendant des heures. Ça c'est les poissons grillés, ça c'est des boulettes de viande. Là c'est les thiep. C'est le riz que les gens préfèrent le plus en fait. De la journée, donc du coup on prépare parfois jusqu'à 3 marmites comme ça. C'est toujours comme ça, beaucoup de carottes, toujours des oignons. Les 25 salariés sont en insertion, ils passent 2 ans ici pour se donner une nouvelle chance. Voilà, c'est un très bon travail, je suis content de travailler ici, ça permet de nourrir ma petite fille. Ouais, il y a des oignons à faire aussi. Aux commandes, c'est Moussa Lassana. Il gère les équipes, il veille au progrès de chacun et met son grain de sel, si nécessaire. Quand je suis arrivé ici, on m'a donné une chance d'intégrer. J'avais pas de diplôme, rien du tout. Donc j'estime que maintenant, par rapport à mon niveau, je peux aussi de mon tour transmettre ce que j'ai déjà appris et ce qu'on m'a donné. Voilà. C'est bon marché. Ah c'est clair, largement. C'est pour ça qu'on dit. Ouais. C'est délicieux et tout. Moi ça je veux bien dormir là après. C'est la personne en face qui m'en a parlé. Oui, je suis venu 2-3 fois et je suis venu prendre des plats emportés. Qui sont excellents. Ça change. Des bananes comme ça, j'en mange pas chez moi. Faut découvrir. À quelques euros le plat, la salle ne désemplit pas. Les curieux prennent leur temps, les connaisseurs, eux, mangent plus vite. Il faut laisser la place aux autres. Un code rapidement compris, 90% des clients sont des habitués. Moi, c'est tous les jours. Tous les jours. Le midi et le soir. Tous les jours. On est loin des siens, au moins. Quand on vient, on se retrouve un peu. On a l'impression d'être un peu au pays. Et souvent, on n'a pas forcément le temps de pouvoir faire les mets chez nous soi-même. Bon appétit. Merci. Si un jour, vous découvrez ce lieu, un conseil. Allez-y le ventre vide pour profiter jusqu'à la dernière bouchée.